Les universités de Ouagadougou et Ouagadougou côté infrastructure et côté homme pour le Premier ministre. La sortie visait à se faire une opinion de la vie au sein des temples du savoir. Une visite écoutée pour cause de manifestation des étudiants. Par la suite, le chef de l'exécutif a rencontré la presse. Il y a d'importantes décisions à propos de la poursuite du parcours actuel dans les universités citées. Le mot de blanchiment technique a été lâché. Et puis, tombé vendredi dernier sous les balles de coupeurs de route, l'adjudant-chef Ernest Lompo repose depuis cet après-midi au cimetière de Gounguin, une cérémonie funèbre où la colère la disputait à l'indignation. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre pour un comeback. Il se voulait initiatique pour le Premier ministre, voir de visu ce que devient le temple du savoir qu'il a connu durant son parcours universitaire, les conditions de travail du corps professoral, les conditions d'études des étudiants, la vie et le fonctionnement de l'université de Ouagadougou. Ce sont autant de points pris en compte lors de la visite du Premier ministre. Le point de Nicolas Zigani. Une visite qui s'est effectuée au pas de course sur les chantiers des universités de Ouagadougou et de Ouagadougou. Cette visite a permis au Premier ministre de constater de visu les travaux de réalisation des infrastructures et de prendre le pouls de l'atmosphère qui règne dans ces deux universités. Le chef de l'exécutif a échangé avec les responsables des entreprises qui ont en charge la construction des pavillons, des bureaux des enseignants et le bâtiment de l'odontostomatologie. Il s'est entretenu avec la communauté universitaire des deux universités. Le président de l'université de Ouagadougou a dépeint la situation dans ces deux universités par des insuffisances de locaux, de laboratoires, de bibliothèques et autres. Il a ensuite loué les efforts du gouvernement pour les sacrifices consentis pour doter les universités d'infrastructures adéquates. Le ministre des enseignements secondaires et supérieurs a égrené un chapelet de programmes mis en place par le gouvernement pour résoudre les difficultés rencontrées sur les campus des universités publiques. Construction d'amphithéâtres, des cités universitaires, acquisition de bus pour le transport des étudiants. Des efforts chiffrés à plus de 20 milliards de francs CFA. Le chef de l'exécutif a loué les efforts des enseignants qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans les conditions de travail de plus en plus difficiles. Je rends ainsi un hommage à toute cette communauté universitaire qui pétrit la pierre angulaire de la nation, son capital humain. Votre modestie fut-elle à souffrir? Laissez-moi vous exprimer toute la joie, toute l'admiration et toute la reconnaissance du peuple à l'endroit de vous tous. Souvent les gens disent, l'État a cette demi-heure de l'université. L'État ne s'occupe pas de l'université. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je viens. Certes, cette université, cet engagement supérieur n'est pas facile. L'université a pris beaucoup de dimensions énormes. Voici les moyens que l'État a consentis. La construction et l'équipement de deux amphithéâtres, le ministre l'a rappelé, pour environ plus de 4 milliards de francs CFA. L'allocation, oui c'est vrai, l'allocation de plus de 7 milliards pour la réalisation de 7 pavillons que je viens de visiter ce matin. Cependant, je déplore le retard mis dans la réalisation de ces infrastructures. L'allocation à l'Université Polytechnique de Bobo de 800 000 francs CFA pour la réalisation d'un amphithéâtre de 1000 places. La poursuite de réaménagement de la cité universitaire de Zogona en 200, bon, le ministre l'a rappelé, la réalisation d'infrastructures universitaires à Koudougou et j'en passe. Nous avons décidé de recourir au blanchissement technique des années antérieures à la rentrée 2012-2013 dans l'espoir de normaliser la situation au plus tard à la rentrée 2015-2016. Cette rencontre avec la communauté universitaire s'est achevée avec la décoration de certains enseignants-chercheurs qui ont fait preuve d'abnégation au travail. Le Premier ministre a saisi cette occasion pour féliciter les lauréats des concours d'agrégation du CAMES session 2012. Au même moment, à proximité de la salle, l'atmosphère était surchauffée. Certains étudiants ont tenu à exprimer leur mécontentement par des rassemblements. Oui, et donc le programme initial de la visite du Premier ministre n'a pas pu se dérouler comme prévu pour cause donc de manifestation des étudiants. C'est donc finalement dans l'enceinte de la primature que se sont poursuivies les rencontres du Premier ministre et des acteurs clés des universités de Ouagadougou et Ouagadougou. Tour à tour, responsables du conseil scientifique, syndicats et délégués du personnel sont allés exposer au chef de l'exécutif les conditions de travail qui sont les leurs. Le point de Tanga Kafando.
Initialement prévu à l'université de Ouagadougou, c'est finalement dans cette salle, au premier ministère, que le premier ministre Luc Adolphe Thiaw a reçu les conseils scientifiques des universités de Ouagadougou et de Ouagadougou, les syndicats d'enseignants des universités publiques du Burkina et les syndicats et délégués du CNU et du personnel ATOS. Une audience qui a duré une heure environ et qui a permis d'évoquer les préoccupations fondamentales du monde universitaire. On sait que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, mais il reste encore des choses à faire, notamment au plan de la condition de rémunération des enseignants du supérieur, surtout en comparaison avec ce qui se passe dans les pays voisins, au plan des infrastructures qui sont insuffisantes, aussi bien les grandes salles, les pavillons, que les salles de travaux dirigées. Et bien sûr aussi, nous souhaitons que la condition des étudiants s'améliore pour que, de façon générale, l'efficacité interne et l'efficacité externe soient assurées au sein de nos universités. La question du blanchiment technique, envisagée pour mettre fin au chevauchement des années académiques, était également à l'ordre du jour. Pour le conseil scientifique, il s'agit d'une mesure qui impliquera l'engagement aussi bien du corps enseignant que des étudiants, mais nécessaire pour remettre les choses sur les rails. Puisque quand on dit blanchir, ça veut dire que ça ne doit pas avoir d'incidence sur la condition de l'étudiant. Ça veut dire que, en réalité, l'année ne compte pas. Et si l'année ne compte pas, s'il avait droit à 2 années de bourse, on décompte cette année, même si il avait déjà pratiqué. Et comme ça, il va pouvoir en fait avoir la bourse pendant tout le temps de ses études. En fait, c'est pas réaliste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au mois d'octobre, là, il y a des étudiants qui étaient en train de faire l'année 2010-2011. Et donc, ils sont en retard, ou 2011-2012. Et donc, il vaut mieux considérer qu'à la rentrée, là, ils ne vont pas faire 2011-2012. Ils vont directement faire 2012-2013. Donc, en quelque sorte, on élimine 2010-2011. Comme ça, ils passent à l'année en cours. Et c'est quand même plus normal de se dire qu'on est en train de faire les études 2012-2013 que de dire que non, on est en train de faire une année et qu'il faudra, par tout moyen, rattraper. Donc, 12 mois, ce n'est pas possible. Toutes ces préoccupations ont eu une oreille attentive du chef du gouvernement, a conclu le porte-parole de la délégation. Poursuit donc des concertations avec le corps professoral. En ce début de soirée, le chef du gouvernement a expliqué aux hommes de médias les grandes décisions à prendre. Dans l'urgence, il sera procédé par exemple à un blanchiment technique. On écoute les explications du Premier ministre au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Blanchiment technique. Ça ne les pénalise pas du tout. Ils conservent tous les acquis et ils continuent dans l'année. Mais comme j'ai dit, au regard, comme ils ne sont pas au même niveau, ça va prendre du temps. Et nous pensons que dans le meilleur des cas, et ça c'est vraiment l'objectif qu'on se fixe, c'est qu'à la rentrée 2015-2016, on ne parlera plus de cette question-là. Tous les étudiants vont rentrer en même temps. L'année sera la même chose. Comme on me dit actuellement, il n'y a pas une période pour s'inscrire. Alors donc, c'est les rassurer que vraiment, ce blanchissement technique n'est pas l'année blanche et ça n'a pas de conséquences sur la carrière de leurs étudiants. La conséquence, seulement, ce sont les retards qu'on a pris, qui en fait, les choses datent depuis. C'est-à-dire qu'on a traîné beaucoup de problèmes et qui nous ont amenés à ce boulot d'étranglement, même qu'on a dénoué en trouvant donc ce mécanisme de blanchissement technique-là qui permet d'avancer sans pénaliser les étudiants. Voilà, un blanchiment technique qui devrait permettre, comme vous l'avez écouté, à l'université de Ouagadougou de retrouver son cours normal. Selon les projections du gouvernement, l'année académique sera normalisée d'ici à l'année 2015-2016. Le coût de ce blanchiment s'élève à 710 millions de francs CFA. Des explications du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Il y a des étudiants en 2011-2012 qui, pour une raison ou une autre, comme on est dans le système LMD, ont fini, par exemple, les résultats d'un semestre et n'ont pas pu finir, effectivement, les 2 semestres. Alors, est-ce qu'il faut attendre jusqu'au mois de juin pour dire que eux-là, ils ont fini,
Donc ce n'est pas un mécanisme qui nous permettra de rendre l'année normale. Donc nous allons blanchir techniquement pour eux en validant leurs résultats de semestre et les inscrire en 2012-2013. Comme ça, effectivement, s'ils ont encore une fois le bénéfice de l'aide ou du FONER, donc sur les résultats de leur semestre qu'ils ont, donc ils seront effectivement connectés dans ce sens-là. Et enfin, vous êtes au courant qu'il y a eu des bacheliers qui ont commencé leur cours en juin de l'année dernière. Alors, ces bacheliers en juin, ils doivent finir leur année quand? Si on veut effectivement ramener l'année dans un fonctionnement normal, alors il se trouve que ces bacheliers, ils sont tous en train de terminer un semestre. Alors, on va leur arrêter leur année comme ça, et puis donc prendre un acte, c'est ça le blanchiment technique, et les inscrire pour cette année en 2012-2013, pour que, comme les autres étudiants, et ils vont continuer effectivement leurs études en conservant naturellement les résultats acquis et en conservant aussi le bénéfice en tout cas de l'accompagnement social si effectivement ils en ont droit. Et c'est cette évaluation de l'accompagnement social qui a été faite à 710 millions. Alors les étudiants eux-mêmes qui veulent le FONER par exemple, ce FONER là aussi était bloqué, ceux qui avaient l'aide c'était bloqué. L'exemple que j'ai pris le cas du boursier, mais celui qui était en 2010-2011 et qui avait l'aide, on ne peut pas continuer à lui payer l'aide. Donc il faut qu'il y ait ses résultats, et c'est au regard de ces résultats qu'on va lui renouveler effectivement l'aide. C'est de permettre à ces étudiants-là, un mécanisme qui permet à ces étudiants d'étudier vraiment de manière digne et responsable avec un accompagnement de droit lié effectivement à leur mérite. Nous avons demandé à l'université d'ouvrir la discussion. Alors cette discussion, ça ne doit pas continuer à traîner. Si ça traîne, ça veut dire qu'on va se retrouver en train de chevaucher encore une autre année. Alors il faut qu'on mette, et les étudiants d'ailleurs sont pressés à ce qu'on mette ça en œuvre, parce que ça leur permet d'avoir qui le FONER, qui la bourse, qui effectivement le prêt. Voilà, c'est donc le ministre en charge des enseignements secondaires et supérieurs sur la décision de blanchiment technique à l'université de Ouagadougou. Nous allons vous proposer l'intégralité de ce point de presse au cours de nos prochains programmes. Et puis, autre point de l'actualité, l'institution parlementaire, son histoire, son fonctionnement n'ont plus grand secret pour les responsables de la coordination des écoles professionnelles publiques. La coordination regroupe près d'une quinzaine de centres de formation des cadres de l'administration burkinabé. Le point de la rencontre avec Kwame Bama et Sugrinoma Ibrahim Guigma. Dans le hall de l'Assemblée nationale, un melting pot, un groupe hétérogène fait d'hommes et de femmes de tenue, des civils à qui l'on compte l'histoire de la représentation nationale. Ils sont membres de la coordination des écoles publiques professionnelles de Burkina Faso. Les oreilles attentives au guide du jour, les yeux rivés sur les portraits des personnalités qui se sont succédés à la tête de l'institution. Du président du Conseil général, Georges Conseiga, en 1948, à l'actuel président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara. Ce dernier, ils ne le verront pas qu'en image. Le voici, au milieu d'eux, toute activité cessante, en train de poser pour la postérité. L'Assemblée nationale n'est pas en marge de l'administration de façon générale. L'Assemblée nationale étant le temple de la démocratie, et qui dit bonne gouvernance, rime aussi avec une démocratie. Donc nous sommes venus en fait nous abreuver à la source en tout cas de la démocratie burkinabé. L'autre étape de cette visite guidée de ces futurs cadres de l'administration publique est la séance des questions-réponses au sein de l'hémicycle. Elle porte notamment sur le fonctionnement, les organes de l'Assemblée nationale, son administration et l'action parlementaire. On a appris beaucoup de choses. On a vu au moins la succession des présidents. On nous a permis de comprendre beaucoup de choses là-dessus. En plus de ça, et nous, on ne savait pas qu'on ne parlait pas de parti au niveau de l'Assemblée, mais de groupe parlementaire. La coordination des écoles publiques professionnelles de Burkina a été portée sur les fonds baptismaux en 2004. Elle vise le brassage et la cohésion de ses membres pour servir efficacement l'administration publique burkinabé. L'Assemblée nationale, quant à elle, garde ses portes grandement ouvertes pour ceux qui veulent y faire un tour un jour.
On reste dans le sillage des écoles et autres centres de formation fin de parcours pour les étudiants en économie de l'Université de Koudougou. Ils sont près de 200 à avoir bouclé un cycle de 4 ans d'études. Le diplôme en main, le but à présent est de forcer les portes de l'emploi. On revient sur la cérémonie de sortie avec Karim Namono. Adieu les années de galère vécues en milieu estudiantin. Bienvenue dans la vie professionnelle. C'est la formule d'accueil prononcée par ces devanciers. Les lauréats sont au nombre de 269 à franchir l'étape théorique dans l'option analyse et politique économique après 4 années d'études dans l'unité de formation et de recherche en sciences économiques et de gestion de l'Université de Koudougou. Ils doivent leur parchemin qu'ils reçoivent aujourd'hui à l'encadrement du corps professoral, mais aussi et surtout à leur abnégation dans leurs études. Bien vrai que ce n'était pas facile, mais comme on avait l'espoir de réussir au bout, on a tenu et on est là aujourd'hui pour notre cérémonie de sortie de promotion. Ce qui nous reste seulement, c'est prier Dieu pour que l'emploi s'ouvre à nous. Sinon, ça n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, et grâce à nos parents, et grâce également au soutien multiple, on a pu s'en sortir. Auréolés de leur diplôme, l'esprit plein d'ambition, c'est un pas de gagner dans la vie. Mais obtenir un emploi est une autre paire de manches. Certains n'ont pas d'inquiétude à se faire, le parrain leur tend la main. Nous sommes disposés à recevoir des demandeurs de stage, mais surtout des demandeurs d'emploi, puisqu'en fait nous organisons périodiquement des appels à candidature pour renforcer nos équipes. Et nous souhaitons bien sûr que des membres de ces équipes-là fassent partie de nos équipes. Si cette promesse est tenue, ce sera donc une autre étape de franchie par les diplômés en maîtrise, option analyse et politique économique vers la vie professionnelle. C'est aussi un air de fin qui souffle sur la section cycle A de l'ENAREF, étape clé du cheminement vers la sortie, la soutenance du mémoire de fin d'études. C'est une dame qui donne le ton, elle passe au crible la fiscalité minière au Burkina, le point de la séance avec Nathalie Kaori. Pour cette séance inaugurale de soutenance à l'École nationale des régies financières, c'est le travail de Madame Nana Adiza Ibrahim Arouna qui a été soumis à l'appréciation du jury. La problématique de la fiscalité minière dans les États membres de l'UEMOA approche comparée Burkina Faso-Niger, tel est le thème de son mémoire. Et c'est un jury de 4 personnes, dont le premier responsable de l'ENAREF, qui s'est chargé de sanctionner son travail. Nous avons eu affaire à une impétrante qui a expliqué quels sont les contours donc, de la fiscalité minière, en quoi la fiscalité minière peut être un élément important dans notre processus dans le développement, et qui a fait surtout des propositions justement pour un meilleur apport des sociétés minières, de la fiscalité minière donc dans le développement économique et social de nos pays. Le jury a reconnu la pertinence, mais aussi la complexité du thème relatif à la fiscalité. Après délibération, il a octroyé à la candidate la note de 14,50 sur 20 avec la mention « bien ». C'est surtout un sentiment de soulagement. Le domaine minier me plaît parce que ça a commencé tout ça avec un monsieur de la DG à qui j'ai demandé de faire une spécialisation dans le domaine qui m'a conseillé. Bon, qu'il n'y a pas de col pour se spécialiser dans le domaine minier, mais toutefois je peux chercher un thème pour faire un mémoire. Jusqu'au 29 mars prochain, les travaux de recherche de 269 étudiants de l'ENAREF seront soumis à l'appréciation des jurys composés de professionnels venus de divers horizons. Essentiellement donc des financiers, des comptables publics, mais aussi donc des fiscalistes. Mais nous essayons également de faire entrer dans les jurys des personnes extérieures. Je pense notamment donc, aux députés, je pense aux anciens du ministère de l'économie et des finances et je pense également au secteur privé. Ces professionnels auront à juger des travaux dont les thèmes sont en rapport avec la comptabilité, la fiscalité et les autres aspects environnementaux liés aux finances publiques. Nos us et coutumes ne renferment pas que de freins à l'épanouissement de la gent féminine. Ils recèlent aussi de points positifs à mettre sous les feux de la rampe. Leur éclat devrait guider les acteurs de la lutte pour l'égalité homme-femme au Burkina, surtout dans son volet mise en œuvre de la politique nationale genre. Yolande Lompo. Cette étude sur les valeurs culturelles positives en faveur de l'égalité entre les sexes dans les traditions burkinabées vise à contribuer à la création d'un environnement socio-culturel favorable à la mise en œuvre effective de la politique nationale genre. Des actions sont en train d'être menées dans le cadre de cette politique et les groupes sociaux Bobo, Peul, Mouaga, Gourounsi et Goumanché ont été ciblés par la présente étude. Nous sommes en train aussi d'élaborer des programmes prioritaires pour prendre en compte
toutes les questions liées à la promotion de la femme, à la promotion du champ. Notamment, nous avons des programmes prioritaires sur l'autonomisation sociopolitique des femmes. Nous avons également un programme prioritaire que nous sommes en train de finaliser sur l'accès des femmes et des hommes, bien sûr, aux services sociaux de base. Nous avons également un programme prioritaire sur le pilotage et le suivi évaluation de la politique nationale genre. Les résultats de cette première rencontre de concertation présentée aux différents acteurs seront soumis aux autorités compétentes pour approbation afin de contribuer à la réduction des inégalités existantes entre hommes et femmes. La promotion de la femme par les ondes, c'est l'option de la radio Mouniou à Banfoura, un choix au bilan satisfaisant après 20 ans de parcours. Dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable, l'association compte des réalisations, des acquis qui renforcent l'engagement des partenaires financiers et techniques à accompagner les efforts de l'association pour la suite. Karim Cissé. En 20 années d'existence, l'association Mouniou des femmes de la Komoé était presque sur tous les fronts en vue d'améliorer les conditions de vie des femmes de sa zone d'intervention. Ainsi, selon la responsable des projets et programmes de cette association, 352 centres d'alphabétisation, 17 centres polyvalents, 10 puits à grand diamètre, un bosquet de 30 hectares, une radio communautaire et plusieurs campagnes de sensibilisation dans le domaine de la santé ont été réalisées au profit des femmes. Si l'association a pu réaliser ses projets, c'est aussi grâce à l'appui des différents partenaires techniques et financiers. Raison pour laquelle l'association leur a présenté son plan stratégique d'action 2013-2017. C'est pour permettre aux différents partenaires, à tous les acteurs dans nos différents domaines d'intervention, de mieux connaître l'association Mouniou, de connaître les différentes orientations de l'association Mouniou pour qu'ensemble, on puisse mettre dans la main CD pour quand même l'atteinte de nos objectifs. Les partenaires techniques et financiers ont à l'unanimité félicité l'association Mouniou pour les œuvres réalisées au profit des femmes durant les 20 dernières années. Mieux, ils ont réitéré leur soutien à l'association. Pour le ministre Alain-Édouard Traoré, parrain du 20e anniversaire de l'association Mouniou, l'État mettra tout en œuvre pour toujours accompagner ce genre d'association qui force l'admiration. L'œuvre d'une association comme l'association Mouniou, c'est de porter des parties de nos politiques publiques de développement. En cela, nous ne pouvons pas rester indifférents et le gouvernement se fera fort d'accompagner de telles initiatives parce que ce sont des activités de service public, ce sont des activités de développement et dont les bénéficiaires de manière globale sont les citoyens, les populations, à commencer par leurs femmes. Avec de tels engagements fermes, on ose espérer que l'association Mouniou a encore devant elle de beaux jours. Des jours pour œuvrer davantage aux côtés des femmes en vue de les sortir de l'ornière. Pour une circulation routière plus fluide, la Nationale des Jeux de hasard soutient la police nationale. La Lonabé vient de remettre une vingtaine de boxes de carrefour à la direction régionale de la police du centre. Une contribution qui vient renforcer la mise en œuvre du projet Box de police. Nyarkité Da pour le reportage. Ce sont au total 20 boxes que la Lonabé remet à la police nationale pour l'appuyer dans son projet initié depuis 2009 et dénommé Box Police. Ils seront implantés dans les carrefours et ronds-points stratégiques de la ville de Ouagadougou en vue de renforcer le dispositif déjà existant pour régler et fluidifier la circulation routière. Cela répond à notre slogan, à la dernière partie de notre slogan, les bénéfices à la nation entière. Et nous intervenons dans tous les secteurs et c'est pour cela que nous avons, à la demande de la police nationale, fait ce geste pour les populations, pour les usagers de la route de la ville de Ouagadougou et bien d'autres, puisque ces boxes-là servent aussi dans les autres localités. Selon les chiffres de l'Office national de la sécurité routière, 80% des accidents sont dus à l'imprudence de l'homme. En 2011, près de 155 personnes ont perdu la vie suite à des accidents de la circulation routière dans la seule ville de Ouagadougou.
Et pour la hiérarchie policière, ces box arrivent à point nommé et seront d'un apport capital pour régler la circulation routière. Ces box-là viennent renforcer véritablement la capacité opérationnelle de la police en matière de circulation routière. Ils seront évidemment placés au niveau des carrefours où il faut pour faciliter, aider en tout cas les gens à circuler, à fluidifier la circulation en un mot. Les box remis à la police nationale ont coûté à la Lonabé plus de 3 millions de francs CFA. L'adjudant-chef Ernest Lompo repose depuis cet après-midi au cimetière de Gounguin. Le gendarme est tombé l'arme à la main sous les balles de délinquants alors qu'il conduisait une opération de reconnaissance contre le grand banditisme. C'était le 15 mars dernier dans la province du Koulpé-Logo. L'homme était le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Cancé. Il avait tout juste 50 ans. Étienne Bassenga. Une famille inconsolable, des collègues dans la détresse, voici le spectacle désolant qui a été donné à voir ce lundi 18 mars au camp Sangoulé-Lamizana. L'adjudant-chef Ernest Lompo a été arraché à l'affection des siens le 15 mars dernier. Il a été abattu par des délinquants alors qu'il conduisait une opération de reconnaissance dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme dans le Koulpé-Logo. Après la prière de requiem, le cortège funèbre s'est dirigé vers le cimetière de Gounguin. Là, parents, amis, mais aussi toutes les composantes des forces de défense et de sécurité étaient présents pour lui rendre un dernier hommage. Il est évident que nous, au niveau de la gendarmerie, nous restons très engagés pour poursuivre donc cette lutte implacable contre le grand banditisme. Je voudrais rassurer la population que ce malheur qui vient de nous arriver, en tout cas, n'aura pas d'effet sur notre engagement connu dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme. L'adjudant Ernest Lompo était le commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Saint-Cancé. Né en 1963 à Tambaga, dans le département de Diapaga, il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Puisse l'âme du défunt reposer en paix, donner un peu de son sang pour plus de vie. Pour une école de régie financière, l'ENAREF fait donc dans la philanthropie. Ce n'est pas une première et le défi à cette étape est d'inscrire le geste sur un registre permanent. Pour cette sortie, l'école vise une centaine de poches de sang, Ramatou Zida et Sié Sylvestre Da. Passant tour à tour les étapes de la procédure de don de sang, le directeur général de l'École nationale de régie financière, ENAREF, donne le top de départ de l'opération. Le personnel et les élèves suivent le pas. Donner un peu de son sang pour sauver des vies, une œuvre utile, et l'activité est organisée en collaboration avec l'association SOS Sang. L'ENAREF compte ainsi récolter le maximum de poches de sang au profit des malades. Depuis quelque temps, les services techniques alertent l'opinion publique sur le manque de sang de manière générale donc, dans notre pays. Nous avons pensé qu'il était utile au regard donc, de ce manque de sang donc, dans les services techniques de venir également en aide à tous les malades. Notre public est un public très jeune, donc nous pensons que nous pouvons quand même pouvoir collecter un nombre assez important de poches de sang pour ceux qui sont dans le besoin. Au regard de la rareté du liquide précieux, l'ENAREF a fait de cette opération de don de sang une tradition. Une soixantaine de poches de sang avaient été collectées l'année dernière au bénéfice du Centre national de transfusion sanguine. C'est un acte très louable parce que, bon, à l'instant d'autres structures effectivement qui organisent des collectes en collaboration avec le Centre de transfusion sanguine. Et vraiment, nous les remercions d'avoir eu l'idée de nous joindre à leurs activités. Cette opération de don de sang est organisée concomitamment à la célébration de la Journée internationale de la femme par les élèves de l'École nationale de régie financière, l'ENAREF, une école de formation professionnelle qui compte environ 1000 élèves. C'est désormais dans une mosquée flambant neuf que les populations de Belaourou dans le Soum vont accomplir le rituel du vendredi. Pour le donateur Eladj Adama Kindo, le but premier du geste est de rapprocher les fidèles d'un lieu de culte. L'inauguration de l'infrastructure est intervenue le 8 mars dernier, le point de Tanga Kafando.
À environ une cinquantaine de kilomètres de la commune rurale d'Arbinda se dresse désormais la nouvelle mosquée principale de Belaourou. Ce village, à prédominance musulmane et au potentiel minier non négligeable, peinait à avoir une mosquée avec les commodités nécessaires. Et grâce au groupe Somika, les fidèles musulmans pourront ensemble prier et implorer Allah dans un cadre idéal et de convivialité. La réalisation de ce lieu de culte est pour le groupe Somika un signe de reconnaissance à une population qui l'a adopté et soutenu dès ses débuts dans le domaine des mines. J'ai travaillé durant plusieurs années dans ce village, je n'ai eu aucun problème. La collaboration avec les populations locales était au beau fixe. Et compte tenu de cette parfaite relation, j'ai décidé de leur construire cette mosquée, bien sûr sur leur demande. Je souhaite que ce lieu de culte puisse leur apporter le bonheur en raffermissant leur foi à l'islam. Alimenté par un système d'électrification, l'édifice a une capacité d'accueil de plus de 300 personnes. Mais ce vendredi 8 mars 2013, le nombre a doublé, voire triplé. C'est le jour béni pour ces fidèles musulmans qui ont massivement fait le déplacement. À l'occasion, lecture du Coran, louange et adoration ont ponctué cette cérémonie dédiée au Créateur Allah. On avait vraiment besoin de cette mosquée. Vous voyez déjà la mobilisation des fidèles à cette inauguration. Cela a un sens très important. El Hadj Adama Kindo a semé une graine. Il reste maintenant que nous entretenions la semis afin de pouvoir profiter de ses fruits. Cette mosquée est donc pour nous un lieu de rassemblement, de partage et de promotion de la paix. Désormais, l'appel du muezzin de Belaourou partira de cette mosquée qui sans doute contribuera à raffermir la foi des fidèles musulmans de ce village et renforcer les liens sociaux. Voyons à présent ce qui fait l'actualité en Afrique. Ce lundi, au Gabon, les travailleurs du pétrole suspendent leur grève. Quelques revendications ont été prises en compte. Une pause qui risque d'être courte si la plateforme entière n'était pas satisfaite. Une accalmie qui contraste avec le Caire. Là-bas, des jeunes manifestent contre l'agression par la police anti-émeute dont ils seraient l'objet. Il y a du nouveau dans les bacs à musique du Faso. Entre sonorités des terroirs Mouaga, Goulmachema ou Peul, l'artiste musicien veut son œuvre moderne et adossé au rythme de nos traditions. Timo, qui en est à son premier essai, chante l'amour, la femme, l'égalité. L'œuvre est riche de 8 titres. Retour sur les moments forts de la dédicace vendredi dernier avec Ramatou Zida et Nyarkiteda. Voir plus loin, c'est le titre du premier né de l'artiste musicien Timo, de son vrai nom, Timothée Gayeri. La présente cérémonie consacre le lancement de la sortie officielle de cet album, un album fort de 8 titres, chanté en français, Mouré, Djoula et Goulmachema. L'artiste aborde des thèmes variés, dont l'amour, l'égalité des sexes, la femme et la notion d'émancipation. Des thématiques à travers lesquelles Timo invite la jeunesse à tourner le regard vers les anciens. Voir plus loin, parce que je me suis dit c'est le titre qui va me guider. C'est le titre qui va me conduire et m'amener loin, et m'amener là où je rêve aller. Et là où je vais voir la culture burkinabé. Seuls les conseils peuvent me guider et peuvent guider la culture burkinabé. Pour y arriver aujourd'hui, il faut les conseils, les bénédictions pour arriver. Militaire de son état, le caporal Timothée Gayeri est membre de l'orchestre des Forces armées nationales du Burkina depuis 2009. Il compte sur l'appui de ses supérieurs pour réussir cette nouvelle carrière qu'il entame. Son style musical découle d'une fusion des rythmes traditionnels Mossi et Gourmatché, tels le Warba, le Wiré et le Winega. Voilà, c'est donc une fin toute à musique. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons demain. Bonsoir.